Kilina wali o, kilina wali o, kamo wazile,
Programmation du diable de la Bible. Nous prions ensemble le Seigneur. Nous prions le Seigneur. Nous prions et la puissance de Dieu. Je m'en laisse pour la vie. Nous détruisons toute forme de programmation. Nous détruisons toute forme de programmation sur la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous condamnons l'œuvre du diable. Nous détruisons les prisons des ténèbres. Nous proclamons vaincu le royaume des ténèbres rigueur contre nos vies. Nous nous puissons de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons vaincu le royaume déjà. Nous déprogrammons tout ce qui est déprogrammation sur nos vies. À la puissance qui est dans le nom de Jésus. Nous nous puissons de Jésus-Christ. Nous proclamons la puissance de Jésus. Nous proclamons la puissance. Nous proclamons la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La manifestation de Jésus-Christ. La manifestation de Jésus. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es Dieu. Merci surtout pour ta fidélité. Merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Nous t'avons prié, on dit Amen. Amen. Venez vous asseoir, que Dieu bénisse. On s'assoit. Amen. Amen. Je suis en train de reprendre timidement, mais sûrement. Demain et dimanche, nous aurons l'occasion de prier. C'est un culte. Et on aura l'occasion de prier sérieusement pour vous. Mais croyez en Dieu. Amen. Amen. Croyez à la puissance de Jésus-Christ. Et sur toi sa fidélité. Demain, on aura l'occasion de prier pour vous. Si possible, on va essayer de faire une petite réception. Mais moi, mes activités vont reprendre, proprement dit, beaucoup de rythme la semaine prochaine. À partir de jeudi, je vais démarrer un programme ici. Cette fois-ci, on n'ira pas vendredi à Zaroko. Nous allons commencer le jeudi jusqu'à dimanche. Amen. Maintenant, je vous annonce que c'est important. À partir de maintenant, c'est-à-dire la semaine prochaine, chacun doit commencer à prendre un jeûne pour préparer la nouvelle année. C'est-à-dire vous préparez le jeûne et puis vous décrétez des choses. C'est-à-dire, ce qui doit arriver la nouvelle année, tu commences déjà à prier pour ça. Amen. Amen. Nous avons une semaine, c'est-à-dire la semaine de lundi, la semaine prochaine de lundi, jusqu'à l'autre dimanche. Vous priez, vous avez tous vos sujets. Vous venez avec ça, nous allons prier le Seigneur. Amen. Afin que 2016 soit pour vous une année de bénédiction. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment rentrer dans une nouvelle année, comment posséder l'année. C'est important. Alléluia. Amen. Voilà, que la main de Dieu soit sur vos vies. Amen. Ça, c'est tout l'important. Croyez en Dieu, le plus important. Amen. Si vous croyez en lui, il continuera d'agir. Amen. Dieu ne se fatigue pas. Mon prophète Crasson est épuisé, mais Dieu n'est pas épuisé. Capable de vous écouter, capable de vous délivrer sans le prophète Crasson. Que le Seigneur vous fortifie. Mais je vous rassure qu'on ne vous mangera pas. Celui qui veut vous manger, il n'a qu'à venir. Hein? Deux minutes, un corps à corps. Deux minutes d'abord. Il ne vous touchera pas. C'est le combat que nous sommes en train de mener. On ne doit pas vous manger. Hein? Il disait, je l'ai mangé. Il dit, tu ne la mangeras pas. Tu ne la mangeras pas. Je l'ai mangé. Ils sont déjeunés, non? Ils ne vont pas vous manger au nom de Jésus. Vous savez, quand je vous ai expliqué 2016, vous allez voir que c'est important. C'est important d'écouter à 2016. Amen. Amen. Parce que beaucoup de choses se passaient en 2016. Amen. Beaucoup de choses. Amen. Ici en janvier, le premier dimanche de janvier 2015, j'étais l'homme de Dieu qui a parlé des catastrophes qui allaient arriver dans le monde entier. Regardez mon premier dimanche. Cherchez ça sur Internet, vous allez voir. Vous avez vu ce qui est arrivé, Charlie, ce qui est arrivé en France. Ce n'est pas nouveau. C'était déjà prédit. Vous avez déjà parlé de ça. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle un prophète. C'est ce qui dit la réalisation de sa prophétie. Allez doucement, le vieux.
Allez, non, accompagne-le doucement, avec beaucoup de bruit. Non, soyez fortifiés. Continuez de prier pour nous. Amen, c'est pas facile. Permettez qu'on puisse entendre. Si je dis je suis fatigué, comprenez que c'est fatigué. Ne voyez pas ça en problème. Si tu vois ça en problème, toi et moi, on fait pas là. Parce que moi, je suis direct. Je suis très direct. Parce que quand je vais venir t'aider, je vais pas m'amuser ça. Vous devez prier pour nous. Parce que le fait même de s'élever à aller chez vous, là, c'est tout un combat qu'on mène. C'est ce que les gens ne savent pas. Comment ils disent, c'est prendre une cuillère, voici une sauce graine, tu prends la sauce, tu mets dans le riz, tu mets dans la bouche, tu es rassasié. C'est tout un combat. Donc vous devez être beaucoup patient. C'est vrai que vous souffrez. Mais on souffre, mais vous voyez, c'est, on n'a plus l'intérieur. Oui, il y a la lumière. On a pris une sorcellerie. Un combat contre la sorcellerie. Que Dieu nous fortifie. Amen. Voilà, que Dieu nous fortifie. Soyez bénis. Et la mamie, elle est où? Elle est aux toilettes. Elle a calé bien aux toilettes. Hein? Bonne nuit à vous. Demain matin, elle a calé bien faire aux toilettes. Voilà, demain matin, que Dieu bénisse. Amen. Le film commence à 9h, c'est ça?